Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharaoh. Avec Aliat, on reprend notre aventure après une petite coupure à cause de ma connexion. Et du coup, on était plutôt pas mal. Alors on avait toujours le petit souci que les gens reprennent les trucs qu'on rase. Mais bon, c'est un grand classique. Notre objectif du coup, je pense, va être de faire des points sur les autres possibilités. Hein. L'invasion là, il faudrait, enfin c'est à long terme quoi. Je pense que ça c'est vraiment les points qu'on peut avoir quand on cherche la victoire majeure. Et où on va avoir suffisamment éliminé d'ennemis pour pouvoir genre être sur un bout de la map et... On est sur un bout de la map là, puis on remonte en rasant tout le monde. Une fois qu'on est tout en bas là, on remonte en rasant tout, il n'y a plus personne derrière pour reprendre. Mais ça va nous prendre un petit peu de temps. Donc, on va plutôt viser semer le chaos. En rasant des régions. Ça reste valable même une fois que la région. Voilà. Que la région a été reprise. Si par exemple ça a été repris et c'est toujours valable. Donc l'invasion, d'ailleurs hein, ça s'explique. Hein. L'invasion, c'est. Il faut envahir. Nous on rase, mais vu que derrière ça peut être repris, ça compte pas vraiment comme une invasion. Saccager la terre sacrée, c'est pas trop notre trip, et donc je pense qu'on va partir sur les exploits de dirigeants et semer le chaos. Et pour semer le chaos, il faut qu'on arrête de se focus sur les régions qu'on a déjà nettoyées, et qu'on progresse. Du coup, on va faire comme on avait dit, envoyer je pense Gaelden au sud pour s'occuper de cette zone. On va renvoyer Aliat par là pour s'occuper un petit peu des Égyptiens. Alors le problème c'est que pour l'instant Aliat, son armée est... à poil, hein. faut utiliser les mots justes. On va voir si on peut pas éventuellement faire une paix avec lui. Qu'est-ce qu'il pourra donner en échange du bronze? Pour 52 bronze, j'accepterai une paix. Tu veux pas? Ok, pas du coup pas de paix. On va aller chercher le bronze à la main, puisque ça c'est une forge de bronze. Hein. Bon après on en a de l'avance mais on va y aller quand même. On va envoyer Gaelden du coup terminer ça. Faire encore quelques avant-postes. Alors les avant-postes avec la techno qu'on vient de chercher là, qui nous donne 20% de nourriture en plus dans tous les avant-postes, on est plutôt pas mal. On va sans doute repasser en négatif avec l'armée d'Aliat, mais en même temps, l'armée d'Aliat on va devoir faire gaffe parce que en termes de bronze et d'or, ça va coûter une burne, voire deux burnes. Allez, on avance, on gagne un petit peu. Et je pense qu'on va passer le tour. On avait terminé des constructions. On a rencontré eux. Est-ce qu'on peut commercer avec eux? Enfin, commercer ou faire des trucs. Les voisins des Lucas. On les a pas vraiment rencontrés du coup. Pirating for profit! Semblerait-il. Ouais, 06, on va pas pouvoir leur demander grand chose, mais sait-on jamais. Si on met genre un petit peu de pierre ou un petit peu de nourriture, dans la nourriture ils en ont besoin, mais par contre de la pierre, si on met genre. Je sais pas moi, 42 pierres. Ils sont en manque. Par contre, ils ont du bois. Si on met du bois dans la balance, c'est pas mieux. Ok. Laissons tomber pour le moment. Il y a eux qui voudraient un pacte. Les techers éventuellement. Ouais, mais du coup, ça reste quand même négatif, donc pas utile. Mais je vois pas les voisins des Lucas, ça doit être une... genre on l'a découvert parce que parce qu'on sait que l'envahissement a commencé, mais que l'envahissement n'est-ce pas, mais on l'a pas vraiment rencontré quoi. Ok, on a une ambition, on n'a pas de rappel et ben du coup c'est parti, passons le tour et voyons un peu ce qu'on nous propose. Donc Bev va probablement commencer à se pointer, mais c'est pas grave, on va le laisser avec les provinces, avec les villages tribaux là.
On verra bien ce qu'ils font. Ah bah si, c'en est un, ça. Je reconnais le symbole, là. Ok. Donc ici, on a déjà rasé, donc on va pas forcément y retourner tout de suite. Je pense qu'on va essayer de passer le long du coup du Nil, mais de l'autre côté de Gaelden. Personne n'a repris ça encore. Là, il va reprendre ça, sans surprise. Alors, on n'a pas été chercher ce truc-là, mais c'est pas grave. Lui, il part dans la pampa. Et bah, écoute, on va aller le titiller un peu avec l'ami Gaelden. Et Aliat, on va le faire avancer tranquillement pour qu'il puisse... ouais, là, ce chemin-là, niveau attrition, c'est un peu la merde. En plus, là, on s'arrête en plein désert. On va plutôt passer par ce côté-là, je pense. Ou alors, on fait vraiment le grand tour. Non, c'est pas hyper intéressant. Non. On va passer par ce côté-là. Alors, les intrusions, on s'en fout, hein, clairement. S'il est pas content, il peut se pointer. Alors, on mange. Ok, ça va, c'est fini. Ça va. La reconstitution est assez monstrueuse. Hein. Donc, on était en marche forcée, on va se mettre en mode normal déjà, et après cantonnement, il nous faut 25% pour le cantonnement. Ça nous permet quand même de pas mal avancer. Hein. Jusqu'ici. Donc notre objectif va être de reprendre du coup, pas par là, au niveau de caisse là. Aller vers caisse. Parfait. Par contre, du coup, j'ai cru voir qu'il était rouge, le Lucas qu'on a vu, mais je pense que c'était parce que c'était une autre faction qui était sélectionnée. On a quoi comme bonus? Pendant 3 tours, ok, donc c'est bon, on a le temps. On va se mettre en cantonnement de horde. Et on va regarder un peu qu'est-ce qu'on peut recruter. On a les envahisseurs de renom maintenant, avec leur petite targe là. Niveau ligne de front, c'est pas oufissime. Mais ça, c'est pas trop des unités de charge. Hein. On a aussi la possibilité de prendre des auxiliaires, mais on a dit qu'on les prendrait probablement au dernier moment, puisqu'ils sont instantanés à recruter. Du coup, tout ça, c'est du bronze, hein. Mais on a de la marge en bon, c'est parti. On va en prendre deux comme ça. Putain, la quantité qu'on peut recruter, c'est ouf. J'ai envie de prendre un quatrième mec comme ça, parce que c'est quand même une très bonne ligne de front. En plus, ils arrivent direct rang 5. Deux chargeurs, plus cela, plus lui. Ouais, on est large en termes de charge. Donc c'est plutôt de la ligne de front et du tireur qu'il nous faut. Là, on est à 15. Donc nos frondeurs PLSL, c'est 210 de portée, et là, eux, 230 de portée. Donc on prendra ces deux-là, je pense. On prendra plutôt ces deux-là. Alors, c'est pas des unités de la Horde, mais... Ou alors on prend des petits javeliniers qui sont de la Horde, là. J'en avais déjà discuté hein, lors de la dernière fois, mais... C'est vrai que c'est intéressant, quand même, d'avoir ce genre d'unités pour se pointer et... contourner l'ennemi. Je pense qu'on va commencer à avoir un peu moins de frondeurs maintenant, donc nos archers sont très bons pour entamer les armures des mecs qui se pointent. Là on peut aller dans le dos et on a vu avec les Hittites que ça faisait très mal. On prendra des javeliniers. Très bien, c'est décidé. Donc pour le moment, là on va remonter à 15. Je pense que ça suffit pour ce tour là. Et on peut aller chercher de quoi avoir plus de gens. On peut aller chercher les bœufs. Avec en plus 5% de déplacement, pourquoi pas. Ah, on peut aller chercher les chargeurs d'élite. Ah, alors du coup... On va garder un mec, deux mecs de renom. Nos apirus. Et on va aller chercher... la terre des épreuves. Est-ce que je peux pas faire...
Ah, je peux faire ça. Ça va tout claquer. Mais vu que maintenant on a un peu de marge en or, on va faire ça. Ok, donc on va faire ça. Donc du coup, on va reprendre cela. On les fera plus tard, les autres. Je vais être à 15, on prendra 2 mecs, on sera à 17, ça fera déjà une belle armée. Pour Aliat, il a carrément le niveau. Sachant que si je me gourre pas, quand je recrute ces gens-là... Ah si, bon, eux viennent rang 6. Mais mes bonus de recrutement jouent pas, par contre. Ils viennent avec le niveau qu'ils ont, quoi. Pareil là, j'imagine, ouais. Donc, du coup, c'est pas mal de passer par le recrutement classique, même si c'est un peu plus long. On a eu une intrusion, oui, bah on est rentré chez quelqu'un, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. C'est parti, on avance. Ah, il est en train d'assiéger, on dirait, ils ont décidé de se bouger, c'est cool. Bon, malheureusement, il y a des renforts qui arrivent, à mon avis, il va pas tenir, lui. Je pense qu'il doit être 11, pas plus. Ah, il se recule. Ah bah c'était lui le Lucas, oui c'est ça. Je voyais pas son petit icône mais... Et du coup il se fait annihiler. Bon ils ont souffert. Mais bah du coup tant pis. On ne fera pas de commerce avec eux. Donc ça, Menefer, ça va être une de nos cibles, hein. Il a profité de des villes qu'on a rasées pour bien s'étendre. Donc clairement, on va se pointer. C'est une horde, ça. Ouf. Ouh, la violence. Le petit coquin, il nous pique notre bronze. On va voir si on peut pas discuter un peu. Avec les Dananéens. Une nouvelle guerre civile. Est un équilibre délicat. Je le passe, hein, on connaît. Je sais pas où elle est du coup. Est-ce que c'est Hittite? Est-ce que c'est égyptien? Ok, lui revient. Alors, les suivants d'Horus. Très bien, donc on a recruté des trucs, on a terminé notre cheval de bois, ce qui va quand même être excellent ça. Par contre, non, on n'a pas d'infos sur la guerre civile. Mais Gaelden peut tranquillement avancer, je pense, jusque là. Tu vas prier Alpanu, mon cher. Le mouvement de fou. On peut vraiment aller attaquer ça? On peut vraiment aller attaquer ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Ah, c'est une... Bon, c'est de la daube. C'est une belle garnison, mais c'est de la daube. Donc limite, s'il veut me tomber dessus après, je prends. On va faire 2 béliers, et ça ira bien. Et là, on a quoi? Globalement, c'est de la daube. Donc limite, s'il décide de m'attaquer avec ses troupes, ça m'arrangera, quoi. Ça fera toujours ça de moins qui défendra la ville. Et je pense qu'on est carrément à même de... Ouais, on est rien que nos frondeurs. Ils vont dépouiller les mecs en pagne, là. Ok, pas d'inquiétude, clairement. Est-ce qu'il y a des avant-postes qu'on pourrait prendre? Non. Donc lui, il a rasé ça. Tu nous aimes pas plus que ça, hein. Tu nous aimes pas plus que ça. Est-ce qu'on pourrait éventuellement commercer un peu? Genre, t'as besoin de bois. On te donne un petit peu de bois. Ah non, hein, de base, l'échange, c'est pas ton trip, quoi. C'est l'inverse, du coup. C'est l'inverse. Tu me donnes de la pierre et moi je te donne du bois. Oui, on part déjà d'un peu moins bas.
Un petit truc comme ça. 9 tours. Tu veux donner un peu plus pour 9 tours? Dix de bois contre 32 pierres, allez, vendu. Ça va améliorer un petit peu nos relations. Alors notre bois, voilà, c'est pas la teuf, mais... Au pire, c'est pas grave, hein, c'est la diplomatie qui va tomber. Donc de toute façon, nous, on a dit, on va vers Kaes. Donc pour l'instant, on l'ignore, lui. On pourrait commencer à rentrer en guerre contre eux. Mais on n'a pas de butin. C'est pas hyper intéressant du coup. Là par contre, on aurait du butin si on va par là-bas. Alors, passe en marche normale. Est-ce qu'on a du travers de camp? On est remonté à 3. Ce qui veut dire qu'on pourrait du coup faire des trucs. Si on voulait aller genre par là. Le plus rapide, ça serait par ici. Ok. Si on allait prier là. Refaire quelques provisions. Ça nous redonne du mouvement en plus, hein, mine de rien. Bon, de toute façon, je vais entrer en guerre contre eux parce qu'ils ont cette zone. Ah, là c'est assiégé par quelqu'un, semblerait-il. Ça c'est de la bouffe, ça m'intéresse qu'assez moyennement, mais là il y a de la pierre. Donc ouais, je pense qu'on va tomber sur ce truc là, avec notre ami Elliot. Oh, ils ont des alliés. On s'en fout, on y va. Rien à battre, comme dirait l'autre. Allez, laissez-nous rentrer, voilà, bim. Ouh, la petite décapitation des familles. Alors c'est encore un petit peu pas tout à fait remis de la dernière fois, donc on est en rouge, on va pas claquer de l'éminence pour ça. On va raser, prendre les 600 de pierre. Et du coup, on va prendre le petit cantonnement, voir un peu, est-ce qu'on peut faire des choses. Le bâtiment ultime ici, il nous faut 6. Donc on garde de la place, et le reste malheureusement... Il nous faut trop de travailleurs de camp, donc pour l'instant, on campe. Ah oui, ils sont en marche forcée. Du coup, on est en guerre contre quoi? Ah oui. Ah. Toute la moitié ouest de l'Egypte, quoi. Et bah parfait. J'ai envie de dire. Donc c'est probablement pas en Egypte qu'il y a une guerre civile, du coup. Ils ont l'air d'être un petit peu trop unis à mon goût. Toi, t'as fait ce que tu voulais faire, il nous reste une action. Construction disponible, ouais mais du coup non, on garde pour le truc. On a gardé un compteur. Un compteur, qu'est-ce qu'on fait avec un compteur? Bonheur plus 2 et reconstitution plus 5 quand on est en cantonnement. Ouais. Bouf. Bien, mais clairement la reconstitution, c'est pas un sujet. On va se débarrasser de cette faction, on s'en fera une de moins. Et du coup, vu où on est, on va peut-être passer par là et remonter du coup plutôt. Comme ça, en plus, il n'y aura personne derrière pour prendre. Enfin, il y a l'autre, sûrement Bicherba, là, qui va en profiter pour s'étendre comme un gros sac. Là, on a quoi dans les trucs en plus? Rapport de bataille et... Intrusion, ouais. Pas de soucis, on passe le tour. On va voir si il décide de venir vers nous. Je pense que non, hein. Je pense que même avec son armée pas tout à fait pleine, Aliette est beaucoup trop costaud pour eux. En tout cas pour le moment. Le temps peut-être qu'ils se regroupent avec tous leurs alliés, mais j'y crois pas. Il y a une rébellion là. Je me disais, il va rester en plein désert. Non, il se met en campement. Il
Mine de rien, les 600 de pierre qu'on a récupéré, c'est 3 villages de Horn, hein, 3 villages tribaux, hein, donc c'est pas si mal. Ok, lui, il va peut-être essayer d'aller reprendre une ruine. Ça voudrait dire qu'on n'en a pas fini avec lui encore. Ah, il commence à souffrir. Les envahisseurs libaux aussi, visiblement. Ouh là, c'est l'assaut direct. C'est passé. Non, il assiège. Ah oui, c'est une ville à mur. Ah, avec 7 de garnison, s'il y a un peu des unités d'élite, ça peut passer. Hein. La faction Marion a été détruite. Ah, bah, désolé pour eux. On a un accord d'échange expiré. Regardons ça. On importait de la thune. Et c'était carrément acceptable comme accord. Ah, ils veulent plus. Est-ce que t'accepterais contre un petit peu plus de pierre? Non, c'est de la ressource commune. T'accepterais contre un petit peu plus de bois? Non, c'est prisé, mais... Mais ça les intéresse pas du tout, quoi. Ça bouge genre juste, mais pas un pet. Je peux même limite l'enlever complètement? Non, quand même pas. On va mettre le minimum pour que ça... Ça joue, du coup, un 7, donc 5, très bien. Et du coup, on peut mettre quoi dans la balance? De la bouffe? de bouffe. 70, 80. 90, allez, 100. La nourriture, c'est le seul truc qu'on crée au final et on a énormément de réserves. Donc je pense que on va enlever ça et on va compenser avec de la nourriture à la place. Voilà. Très bien, contre 25 d'or. C'est parti. En même temps, on a tellement d'accords avec eux. On leur donne du bois, ils nous donnent 65 de thunes. On leur donne du bois, ils nous donnent 59 de thunes. On leur donne de la bouffe, ils nous donnent 25 de thunes. C'est pour ça en fait qu'ils veulent pas plus de bois. C'est parce que c'est certes une ressource prisée, mais on leur en donne tellement déjà. Ah, on n'est pas sur le bon côté des rivières ici. C'est dommage ça. Si je passe en marche normale, je peux même pas atteindre ça. Je peux atteindre ça par contre, commencer à raser un peu. Ouais, je peux même pas atteindre ça pour faire un siège, donc tant pis. Si je vais ici. Que je prie Yoeva, est-ce que ça me donne un peu de mouvement? Oui, je pourrais lancer le siège sur ça du coup. Ça me va mieux, en avant. La frontière est là, donc c'est bien celui de cette province. Okay. Par contre, il doit être costaud. Ouais, mine de rien. Char à... Non, garde du corps à arc, deux chars à archer, des vétérans, du conscrit, des milices. Quand même des archers en armure. On est à 12. Ouais, on va faire ça. On pourrait la faire en auto direct. Comme ça se fait. Ah mais oui, on a notre. On n'a plus besoin de ça du coup. On a notre truc qui fait que les portes sont ouvertes. Excellent, ça marche aussi sur les forts. Ah ça c'est cool. Du coup, on pourrait se faire une tour, une échelle maintenant. 12. 8 et 3. Pour nos 12 de main-d'œuvre. Allez. We keep trying. On y va. On va voir si ça attire du monde. Hein. Je garde le siège, je vais voir si ça attire un petit peu de monde. Bon, Gaelden. Time for trash. Tant dire que tu vas nous défoncer ça. Putain, j'ai cru qu'il allait se faire avoir, quoi. Et on va prendre l'équipement de guerre. Pour avoir les petits bonus. Et bien sûr, on rase. Il n'y a pas photo. On va le reprendre tout de suite. Poser un petit avant-poste. Avant que j'oublie. Et on va aller assiéger ceci. Alors, il y a quelques archers, mais ça reste léger.
faire un bélier, deux échelles. On n'a pas tant de monde pour, attaquer les murs. On va plutôt faire deux béliers. Ah zut, ça passe pas. 5 et 5. Ah oui, on a que 11. Bon, on va voir. On va déjà faire ça. Je crois qu'on teste ça, mais une autre... Oh, avoir le contrôle d'une armée d'autochtones... Allez, on va tester pour voir. Ah mais du coup, on n'a pas les ressources. Bah oui, bien sûr, on n'a pas les ressources. C'était du bronze. Et du coup, ouais, on la paye cette armée. Bien sûr, on la paye. Des chars cananéens en armure. Et c'est la grosse armée. On peut pas recruter du coup. Daminu, on peut rien en faire, c'est juste un général classique. Les armées acquises par domination ne gagnent pas d'expérience et ne peuvent pas recruter ni échanger d'unités. Ok. Mais du coup, on peut l'envoyer chasser ce mec là. Ils peuvent prier, ils peuvent prier. Vas-y, fais des provisions déjà. Ça nous fera pas de mal, je pense. On va se rapprocher de lui, on va essayer de le chasser. Alors est-ce qu'on peut éventuellement faire une paix en échange de trucs? Alors du coup on va faire un échange ponctuel parce que... On sait qu'un échange à long terme il risque de disparaître. Vas-y, tu me donnes genre 100 d'or. C'est plutôt le bois là qui pose problème. Ouais mais le bois il n'en aura jamais assez. Un peu de bronze peut-être? T'en as en réserve? Allez. C'était une colonie bronzière que t'avais après tout. Un petit tribut et on va compléter avec du bois. Deux de bois. Voilà, écoute, deux de bois. C'est un peu naze. Un peu de pierre peut-être plutôt. Ouais, 6 de pierre. C'est pas ouf non plus. Mais 62 thunes et 90 de bronze. Honnêtement, j'accepte une paire. Et du coup, on va se servir de cette armée pour raser le reste là. Je pense qu'on va commencer par lui, parce que là on doit avoir moyen de faire du butin. On peut faire du butin? Ah, c'est pas considéré comme une horde. Ah, ça c'est con ça. Ça c'est con ça. Bah du coup on va aller peut-être s'occuper de ces trucs là. On peut faire des raids, cela dit, avec eux. C'est pas si mal, hein, un petit peu d'un petit raid. Ok, bah on teste les concepts. Là du coup, on est pété de mouvement. Ça nous a rien coûté en mouvement, ça par contre c'est intéressant. On a gagné un petit niveau. Je pense qu'on va aller chercher le « vous ne savez pas à qui vous allez affaire ». Pour Gaelden, c'est nickel. Et du coup, bah notre cible suivante c'est toi. Alors, tu veux pas bouger, pourquoi? Si, c'est bon. On déclare la guerre. Hop. This is your last day. On rase. Move out, on avance un petit peu. Qu'est-ce qu'on a dans cette garnison? 22 mecs quand même, une belle garnison d'avant-poste. On va aller taper dessus. On va leur passer son nez à eux. Alors Aliette, tu fais ton siège, l'armée autochtone elle fait sa vie, on est pas mal je pense. L'accord d'échange c'est fait, les niveaux c'est fait, le rappel on a vu, en avant. En avant, en avant. Ouf, Menefer là, il a plus personne d'un coup. Il a dû tomber sur un mec pas content. Alors du coup, c'est peut-être quand même là qu'il y a la guerre civile. Il avait deux armées de 10 qui ont visiblement disparu, vu la jauge de puissance qui est brutalement tombée. Bon, après, l'armée autochtone qu'on a est globalement merdique. Hein. On va essayer de s'en servir pour aller poser des avant-postes.
Ah, il avait évacué son général, j'avais pas vu. Du coup, il a repris sa ville directe. Bah écoute, si ça t'amuse, pas de soucis. Maintenez 40 unités au total. Ah, c'est vrai qu'on avait 5, putain, j'avais oublié. Et bah comme ça, au moins c'est fait. 3000 de bouffe et 200 de bronze. Une petite ambition de réussi. Donc du coup, cette armée-là... Est-ce qu'on peut faire des avant-postes avec cette armée? C'est pas sûr, hein. Bon, là, tac, guerre. C'est la guerre, mon gars. On va attaquer ce truc. Tu peux pas? Tu peux pas. Ah, il doit y avoir une armée sur le chemin. Non, je peux pas bouger. Ah, je peux pas bouger parce que je suis dans la portée de la ville. Merde, bah tant pis. Alors là, c'est pas l'armée d'élite qu'on a, hein, donc il va falloir qu'on la fasse cette bataille. On n'a pas de combat singulier, mais on peut faire une démonstration de puissance ou promettre de la gloire. Ouais, promettre de la gloire. Cet archer-là, il est un peu plus efficace. Ah, c'est des archers à pyrrhus, pardon, ceux-là. Ça, c'est des archers chassous. Et lui, il a des archers chassous, ok. On a beaucoup de tireurs, hein. Globalement, après, c'est de la daube. Ils sont remplaçables. Les guerriers chassous sont quand même très forts, par contre. Enfin, très forts. Très correct pour un tir 3. Et là, deux chars. Et notre général, il est en épée. Ok, on va la faire. On va leur mettre un petit bonus d'intimidation. Et du coup, on va faire cet assaut. J'ai pas regardé en termes de portée lesquels tirent les plus loin. Tempête de sable. J'aimerais autant pas. Ouais, chaleur étouffante, c'est mieux. Enfin, c'est chiant, mais c'est mieux. 160 de portée, 150 de portée. Ok, donc il va avoir un léger avantage de portée. À quoi ça ressemble? Ici, il y a un temple hein, qui donne des soins. Oh. C'est hyper fort, ça. Il va falloir qu'on aille le prendre vite. Et là, du moral. Ok, alors au niveau des points d'entrée, là, il n'y en a pas. Il y en a un là, un là. Ok, on va essayer de passer en force par ici, je pense. On va mettre nos petits chars en face de ces entrées-là. Et ici, du coup, général. On va faire... Hop. On va te donner... Hop. Toi, tu vas t'occuper de ce flanc-là, même si c'est pas hyper différent. On va te mettre un mec comme ça. De la main d'œuvre, de là encore plus main d'œuvre. D'ailleurs, c'est tellement de la plus main d'œuvre que je pense qu'on va même se permettre de la laisser avec les chars. Allez là, les chars, là-bas. Et du coup, par contre, on va blinder d'archers dans le coin. Toi, on va te donner les chassous, et ça, c'est des apiros. Hop là. Voilà. C'est parti. Alors, étudiant, qu'est-ce qu'il a fait? Ici, en face. Il nous a mis pas mal de mecs quand même, hein. Il n'y a pas envie que ça tombe. C'est du guerrier, ça. Donc c'est eux, hein. Ouais, avec nos péons, là. Il n'y a pas moyen que ça passe. Ici non plus. Mais l'avantage, c'est que du coup, là, on va pouvoir... défoncé. Excellent. Les hommes des tribus, là, il a mis du guerrier. Alors, déjà, vous courez m'allumer ça. Vous courez m'allumer ça. On va faire courir un petit peu notre infanterie de choc, comme on dit. Vous êtes là, hein, ouais. Hop, hop. Hop, j'ai pas bien rangé mes troupes. Voilà. Voilà.
Vous, vous marchez. Vous marchez. Par contre, vous, on va vous faire courir un peu. Enfin, peut-être pas la peine de courir pour le moment. On fera courir après. C'est parti. Et ici, on va rester à se regarder en chien de faïence pour le moment. On va avancer un petit peu. Les tireurs, ils tirent jusque là. Donc s'ils viennent ici, ils tireraient jusqu'à peu près ici. On va quand même avancer, histoire de pas être trop loin. C'est marrant, il a placé ses tireurs de manière... Bah remarque, c'est pas con, hein, parce que... Si techniquement, on va rentrer là, engager le combat ici, il va être capable techniquement de nous tirer dessus de côté. En plus, sur la droite, donc c'est le côté qui porte pas de bouclier. Ah mais il va pas être... il va pas être content parce qu'on allume ses mecs. Ok, priorité sur les archers, tire-leur dessus. Du coup, c'est le moment de courir là. Ok, il est en train de courir dans tous les sens là. Born to do battle. Strong spirit. Make them pay. Strong spirit. Ici on charge les archers, ça devrait faire du bien. We stand strong. Warriors of Canaan. Never back down. Ouh, pas mal là, la petite position en hauteur là. Shoot arrows. Ça c'est propre ça. Franchement ce placement, il est exceptionnel. On balance les rafales de flèches. Alors ici du coup, d'être décidé de laisser ses guerriers chassous et ses guerriers chassous. Parfait, ça me convient tout à fait. On va charger, c'est pas un archer qui est au contact là? Non, c'est bon. On y va, ça c'est des guerriers chassous, donc attention. Il va falloir qu'on avance avec eux. Là c'est la déroute. Et c'est le chemin ouvert jusqu'au... Jusque là, hein. Donc vous... Vous allez tenter d'aller choper ça. Vous, du coup, non. Vous et vous... Oh. Le gourde de touche, vous allez vous mettre ici, prêt à encaisser, là il faut tirer sur cela. Ici ça cède, ça c'est quoi? C'est du guerrier. Ok, les archers, tirer sur ça, tirer sur ça. Et là, on surveille, on garde un œil là, voir si ça bouge. Ah, ils ont vu qu'on était en train d'envoyer du monde. Alors ici, ils ont pas encore cédé. Hein. Ils résistent. Nous, on essaye de faire un petit peu de mal à ceux-là, là. Ah, ils ont une sacrée position, avec deux tireurs, ils sont capables de faire une pluie ininterrompue de flèches, quoi. C'est assez ouf. Bon, les hommes des tribus, ils sont pas en très très bonne position. On va demander à tirer sur ça, faute de mieux. Warriors of Canaan, get going. Il y a des hommes des tribus. Ici ça a cédé, parfait. Il va falloir qu'on aille soutenir avec le général, je pense. Alors notre troupe, elle est où, du coup? Elle s'est faite intercepter? Non, ah si, on s'est fait intercepter là. Bah go.
avancer par là. Aller choper ça. Le guerrier, pareil, on va le renvoyer au centre. Ici, on les occupe toujours. C'est ces troupes d'élite, hein, donc franchement, c'est rentable. Nos archers font le taf, hein. Bon, les leurs aussi, hein, on va pas se mentir. Ok, là il fait demi-tour. On va être en sale situation avec eux là. On envoie du monde ici. Alors là, je sais pas ce qu'ils foutent, mais ils galèrent. Les archers, courez par ici, on va avoir besoin de vous. Ouais, là, on se fait découper par les tireurs. Mais on leur fait mal. Ici, il va nous falloir du renfort parce qu'on va pas tenir des masses. Hein. C'est de l'homme des tribus de base. Là, ça reste toujours occupé. Alors, nos archers ici... Visiblement, c'est la déroute là-bas. Commencez à tirer sur celui-là plutôt. Les générales là, qui fait des siennes. Ok, ils sont en déroute complète, c'est parfait. Allez, on va commencer à leur expliquer un petit peu la vie là. Elle bouffe l'armée, hein. Je sais pas si elle se reconstitue. On verra. Bon, je pense que oui quand même. Là, ça a cédé. Ok, excellent. J'aimerais bien que vous alliez vous occuper de ça. Lui... Bah, tu vas te détendre un peu parce que t'es dans le mal. On va envoyer le général ici parce que c'est la galère. Les archers, là... On n'a pas un angle exceptionnel. Courez vous mettre par là. Ici on a quand même du monde. Alors du coup est-ce qu'il profite? Ouais il profite du... Non c'est le truc là, il faut être proche. Seules les unités à proximité en profitent, ouais. Okay. C'est fort mais c'est pas non plus totalement pété on va dire. Ok, la morale commence à tomber. Comptez-vous, vous. Allez m'allumer ça. Alors là, ils ont commencé à bouger. Comment ça se passe? Lui, il a pas bougé. Par contre, lui, il a commencé à bouger. Ok, on va commencer donc à bouger nous aussi. On va s'approcher tranquillou. Toi du coup, tu pourrais t'amuser à aller charger ça par exemple. Alors ça y est, nos archers vont commencer à tirer un peu. Alors là c'est un peu le bordel avec les archers, faut avouer. Ils sont un petit peu en tas. Pourquoi vous vous êtes arrêté vous? Ils sont en panique là. Alors eux ils sont en train de céder mais pas tant. Faudrait que ça pète ici en fait, ce serait bien. On pourrait les contourner. En attendant, vous tous, essayez de vous tirer sur celui-là. Le général qui a l'air d'être quand même en très très bon état malheureusement. Et nous, nos troupes, elles sont pas officiellement en état. Hein.
Alors là, comment ça se passe? On a été intercepté. Ok. Il faut empêcher cela de se reformer. Ici, on va essayer de passer à travers. Je pense qu'une petite charge de dos ferait bien plaise. Mes archers légers, là. Tirer sur ça, c'est en train de revenir. Ok, là c'est en déroute. Go. Nous aussi on a de la déroute, bien sûr. Notre général il mange cher. Et on est au contact là? Ah non, on est au contact avec de la double. Chargez-moi là-dessus, hein. Vous en avant. Là, il reste le général qui tient, ça c'est en déroute, les archers sont en déroute. Ici, ça commence à céder, arrêtez-vous, feu à volonté. Là, on n'arrive pas à passer avec notre, notre char, mais ça va venir. Putain, c'est de la boue, ça. Oh, putain, ça va les emmerder juste avant la charge. Ça y est, le moral se casse la figure ici. Si ça cède ou pas encore. Ça a cédé ici. Excellent. Faites le tour. Allez, go. Ça va suffire à les mettre... à les terminer, je pense. Les archers, là... Bon, ils ont plus de munitions, de toute façon. Alto feu. Ça suffit, le tirami. On va se détendre. Ouais, voilà, ça c'est des excellents. Ici, on va aller s'occuper de ce truc là, où le général qui est en fuite là, on a vu le moral, cette unité là qui s'est cassé la gueule direct. Et c'est la victoire. Parfait. Victoire de justesse, mais quand même une victoire. Alors, on va voir un peu ce que ça donne du coup. Est-ce qu'on se reconstitue? Est-ce qu'on peut fusionner des unités? Comment ça se passe? On gagne pas d'XP déjà. C'est bien joué ça. Alors on peut piller occuper, non certainement pas. On rase. Ok, on a quand même un peu de reconstitution. Parfait. Et on a gagné un bâtisseur ingénieux, mais on peut rien en mettre, on peut rien en faire. Ah et du coup, vu qu'on est dans le Sinaï, on a des bonus, j'ai l'impression que c'est ça. Si on bouge, peut-être qu'on n'aura pas les mêmes bonus. Mais de toute façon, elle va rester dans le coin, donc... L'objectif, c'était d'aller chercher ce truc-là, donc on va aller le chercher, on verra si on peut construire des avant-postes avec ces armées-là. Ok, du coup on a plein de choses à faire, mais on va s'arrêter là pour cet épisode, il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde!